Ah ouais, l'émulation se coupe si je quitte la fenêtre, c'est dommage. Donc il faut absolument que je laisse afficher ça, voilà. Donc. Salut Nemo. Alors aujourd'hui on va jouer à un petit jeu. Parce que j'aime bien les jeux français, alors on va jouer à un jeu français pour changer. Parce que les robots japonais qui s'éclatent et tout ça, ça, on y reviendra, mais. Là j'avais un petit peu envie de me faire ou me refaire plutôt. Enfin quoique non, en fait non, je l'ai jamais fait, celui-là, flashback. J'avais fait la suite, et encore, c'était il y a très longtemps. Mais donc, Flashback 1993, un jeu de Delphine Software, de Paul Cuisset, et une bande de gens, évidemment, puisque les gens qui font des jeux ne sont jamais seuls. Donc, Flashback The Quest for Identity, aux USA, un jeu français qui était un pionnier un peu du genre aventure vue de côté, très inspiré par Prince of Persia. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi assez vite. Il se les aide bien à battre, pom pom la guerre. Non, c'est fini Nemo, tu peux arrêter les flashbacks. Oui, remarque, oui, tu vas voir des flashbacks du Vietnam, c'est normal. Donc flashback, on contrôle un bonhomme qui doit s'enfuir de gens et qui se retrouve écrabouillé dans la jungle parce que voilà. On n'en sait pas grand chose au début du jeu. Le manuel du jeu est très bien fait et propose des infos un petit peu plus sympas. Alors du coup la musique est coupée. Du coup je vais mettre la musique qui était vendue. Avec le jeu en fait, voilà. Oui, parce que le jeu disposait d'une musique, mais sur un CD à part. Donc c'était c'est rigolo. Donc on va changer le truc, hein. Hop là. Donc je vais mettre le manuel du jeu en fait, avec la musique, c'est plus sympa. Alors, souvenez-vous, au cours du XXe siècle, une crise économique et politique sans précédent s'abat sur la Terre, ce qui entraîne l'arrêt systématiquement de son programme de conquête spatiale. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Faute de moyens financiers, la priorité est la recherche de nouvelles énergies et la préservation de l'environnement au maintien du patrimoine culturel. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, la provenance de fonds considérables d'origines inconnues débloqués par les politiciens du nouveau gouvernement unifié permettent la reprise du programme de recherche spatiale. La conquête reprend progressivement par la construction d'immenses satellites artificiels habités, la création de plusieurs bases lunaires et la préfiguration de ce que seront les futures colonies terriennes du système solaire. Les progrès considérables d'une part et l'apport de moyens financiers de plus en plus importants de l'autre permettent à l'homme de s'aventurer jusqu'à la planète Titan. Autour de Saturne tourne un grand satellite perpétuellement voilé par une épaisse atmosphère, Titan. Cette planète qui se place entre Mercure et Mars par son diamètre est la seule avec la Terre à posséder une atmosphère principalement composée d'azote. Avec sa densité de 1,9 seulement, Titan doit être composé pour moitié de roche et pour moitié de glace. L'atmosphère de Titan, qui n'est pas dégueulasse, près de 90% d'azote, environ 10% de méthane et des traces d'hydrocarbures, est très dense. On ne voit sans doute jamais le ciel depuis le sol. La température moyenne est de moins 180 degrés. Dans de telles conditions, on peut imaginer Titan comme un monde éternellement plongé dans un crépuscule blafard voilé par un brouillard épais, battu par les pluies de méthane. Les paysages ternes et monotones, aux teintes brunâtres, sont peut-être les plus désolés de tout le système solaire. Pour rendre possible l'exploitation de Titan, les Terriens ont bâti de gigantesques dômes de la taille d'une ville, sous lesquels s'organise une vie sur deux niveaux. Au niveau supérieur, une grande jungle artificielle a été créée afin de fournir l'oxygène.
L'oxygène produit par cette végétation est acheminé au cœur de la cité, se situant au niveau inférieur par un système de ventilation extrêmement élaboré. On peut accéder à la ville souterraine par des puits situés dans la jungle. Et qui aurait l'idée d'aller dans la jungle, franchement ? La capitale de Titan, New Washington, est une ville agréable où les perspectives de travail dans les mines permettent d'assurer un avenir prometteur à qui veut saisir sa chance. De ce fait, de nombreuses compagnies intersidérales proposant, avec une concurrence acharnée, de nombreux avantages pour les futurs pionniers de la nouvelle colonie. Commodique du billet Terre Titan, possibilité de retour fréquent sur Terre, prise en charge dès l'arrivée, bref, un monde idéal. Voilà, voilà. Donc bon, après le truc montre un peu tout ce qu'on va avoir dans le jeu, hein, les taxis. Le spaceport, le savantérien Edouard Van Risotto. Le manuel était plutôt bien foutu. Catastrophe minière. Ouais, donc t'as aussi des coupures de presse en fait. C'est voilà. Fiches techniques, des trucs. Le travail rend libre. Ah là là. Légère altercation. Ouais, donc en fait, il y a des bouts de journaux aussi en même temps. Voilà, voilà. Donc le manuel, bah, il est dispo hein, sur. Bon, après, évidemment, il y a les actions. Alors, de quoi qu'on peut faire ? On peut marcher, courir, rouler. Voilà, descendre d'un étage, monter d'un étage, etc., etc. Non, tout ça, c'est bien sympathique. Bon. Alors allons-y. Pour la bagarre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les options ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Allez, on va le mettre en easy parce que le jeu est dur. Et que même en easy, je vais en chier. Inventory draw gun. Use item. Shoot ! Ok. Donc si vous vous souvenez de l'intro, le brave bonhomme s'est fait abattre et il a atterri un petit peu vite dans la jungle. Mais en se réveillant, qu'elle ne fut pas assez surprise. Alors donc bah voilà l'écran de jeu, hein, je me déplace. Je peux activer des trucs mais là il n'y a rien, donc il nous montre ses fesses. Je peux sortir mon flingue et tirer. Voilà, donc en fait il y a un bouton d'action en fait qui sert un peu à tout. Il faut appuyer en même temps sur le bouton d'action et bas pour descendre en fait. Mais il sert aussi à courir. On peut rouler. On court, on roule. C'est la folie. Ah, j'ai récupéré un Zolocube. Et donc, bah, utilisons-le directement. Alors, des séquences cinématiques de 1993, ça a de la gueule. Eh hey, mais c'est moi! Salut Conrad, tu te demandes sûrement comment tu as pu enregistrer ce message sans t'en souvenir. Bonne question, mais ce serait trop long à expliquer car le temps presse et si tu tiens à ta peau, tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Il faut que tu contactes ton vieil ami Ian à New Washington. Tintintin. Là, il t'expliquera tout. Bonne chance et fais gaffe parce que c'est ma peau que tu vas jouer. Ça rappelle vachement Total Recall quand même. Hein. Bon, c'est une grosse inspiration du jeu, je pense. Gork. Sauf que bah pour arriver à New Washington, c'est compliqué. Donc j'ai un flingue, un bouclier, et zéro crédit. Donc le mec, il a une carte sur lui. Ah merde, je suis pas bon. Hop là.
On va essayer de faire attention. On met les pieds. Hop là. Ah non, bah je peux pas là. Aïe. Non, bah c'est pas par là. Enfin, c'est pas par là. Si, mais... Putain, faut être vraiment... Bah c'est un jeu de l'époque, quoi. Mais bon, en même temps, c'est le tuto, hein, c'est normal. J'ai envie de dire. Aïe. Non, faut sauter, en fait. Ouais, parce que sinon, ça marche pas. Ok, ça marche pas, je peux pas sauter, bon. Ah si, mais j'avais pas pris assez d'élan. Aïe. Salut Elion. Comment va? Alors, on recommence, on va sauter. Voilà. Oula. Donc on est dans la jungle qui procure de la... Qui procure de l'électricité... de l'oxygène à la ville. C'est ça, Prince of Persia dans la jungle. Sauf que... Il a un flingue. Il a un flingue! Bon, il avait rien sur lui. J'adore les mouvements. Hop là. Voilà. Tu vas aller te coucher direct, ah bah purée. Ah, il y a une pile. Trop bien. Donc il y a une pile. Mais elle est déchargée. Bon. Ce qui est quand même très intéressant à savoir. Hop là. Cette jungle est absolument fantastique. Non. Faut d'abord que j'appuie sur le bouton action avant de descendre. Hop là. Donc ça fait penser effectivement à Prince of Persia parce que bah, c'est un peu le même système de jeu quoi. C'est-à-dire qu'on est un mec vu de côté, etc. Et l'animation est un peu la même parce que c'est du rotoscoping. C'est-à-dire qu'ils ont filmé un Gugus et alors ce bruit absolument fantastique, c'est le... c'est un désintégrateur en fait, hein. Ils sont... Ils sont sympas d'avoir mis ça là dans la jungle. Bon, je peux pas aller. Bon, je peux pas y aller. Mais faut pas mettre le pied dessus. Parce que sinon on meurt. Enfin je crois. Là c'est pareil. Donc là je recharge mon bouclier qui ressemble à une pile d'une marque avec un lapin. C'est quand même pratique, mais je vais pouvoir aussi recharger la pile normalement. C'est vachement bien, ils ont mis des trucs de recharge un peu partout dans la jungle, c'est trop bien. Ouais, parce que bon, on sait jamais des fois que t'as besoin d'aide. Puis surtout qu'il y a des mecs avec des fusils, quoi. C'est logique. Une pile RATP. Non, une pile... une pile, quoi. Avec un lapin. Ah oui, hop. Allez. Là, je l'avais vu. Je ne lui ai pas laissé une chance.
Et là, je peux monter, oui. Je sais pas si je fais les choses dans l'ordre, en fait. Hop, là, il faut que je saute par-dessus le bouton poussoir. Là, oui, si j'appuie là, ça va, elle va remonter. Et oui, bah, et puis je saute, quoi, voilà. Je vais pas attendre l'ascenseur. Donc les gars, ils ont fabriqué une jungle. Ce qui est quand même bien pratique. Ah. Un monsieur blessé. Au secours! Aidez-moi, jeunes hommes. J'ai été attaqué par des mutants. Et je ne peux plus marcher. Retrouvez mon téléporteur, il me faut des soins urgents. Ok, donc je vais lui retrouver son téléporteur. Sauf que je ne sais pas où il est. Ce qui risque de poser des petits soucis. Mais bon, ça après, hein. J'ai une jungle à explorer. Alors, je sais pas trop comment fonctionnent les vies dans le jeu. Je crois que t'en as pas, tout bêtement. Donc, hop. Donc, je crois que c'est, si c'est game over, c'est game over, quoi. Vraiment. Youhou! Donc, il va falloir que je me retape tout le chemin. Et ah, on peut descendre comme ça aussi. Ah bah non, je peux pas. Attends, comment je descends là de là? Ok. Des fois, faut pas chercher. Hein. Il y avait un titre après flashback. Bah, c'est uniquement dans la version. Bonjour Vz. Bah, c'est sympa de sa part. Ouais, il y a un titre après flashback, mais uniquement dans la version américaine, parce que justement, pour pas qu'on confonde avec le titre de Imagination, j'imagine. J'imagination. D'ailleurs, c'est pas facile de. Compartiment à pile. Ah bah, ça tombe bien, j'ai une pile. Pif. Voilà, donc faut mettre la pile dans le bidule et ça passe. Et du coup, j'ai fabriqué un petit pont anti-gravité. Hop là. Donc je peux utiliser ce truc. Je sais pas s'il fallait que je le fasse en fait. Ah j'arrive là, d'accord. Bon, il y a peut-être le. Et j'arrive là, d'accord. Non, c'est pas le même endroit. Il y a un truc par terre, on dirait. Ah, il est là. Pierre. Et donc, en tout cas, bienvenue, Vzz. Donc, qu'est-ce que... J'ai un caillou. Faut que je pose le caillou, probablement. Ah oui, mais là, oui, si je le balance comme ça peut le faire. J'ai perdu mon caillou. Ah merde, j'ai perdu. Il est où mon caillou? Ah, il est là. Il est juste dans le monticule. Pif. Donc il faut que je le lance, mais... Depuis en haut, normalement, il va rebondir et retomber.
si je ne m'abuse. Hop, et voilà. La nature est bien faite quand même. Et hop, un téléporteur. Et là, le mec, il pourrait être un gros connard et puis l'utiliser pour lui, mais non. Et qu'est-ce qu'il y a si je vais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Touk. Wow. Le personnage avait des réactions assez chaudes. Ah bah voilà, donc il y a des points de sauvegarde en fait. Ok. Il faut que j'utilise quoi? Ah ok, donc faut juste que j'utilise la sauvegarde. Et si je fais ça... Salut Randall. Oui, bah voilà, vous faites la même réflexion. The Quest for Identity. Alors par contre, serrure à carte, mais je n'ai pas de carte. Bon, bah je vais aller rendre son téléporteur à Monsieur Con là. Hop, enfin, Monsieur Blessé, le pauvre. Donc Conrad, il est amnésique, mais il a retrouvé un bloc avec sa... Un mode sauvegarde des ennemis partout. Youhou! Non, ça je peux pas le faire. Bon, je vais les rendre son... Hop là, donc ne pas marcher sur les bidules qui brillent parce que c'est mal. Croix. Poser des questions à la con à Cortana, oui, c'est... C'est un nouveau jeu. Voilà, le truc qu'il faut pas faire. Parce que du coup ça fait sproch. Et donc je reviens là. Je voulais vous montrer quand même comment ça faisait quand on mourait, parce que sinon c'est pas cool. Enfin ce qui se passe quand on meurt. Ouais, le jeu est sorti sur tout ce qui existait à l'époque, hein, PC, Amiga, etc. Bodycount 1. Conrad. C'est comme ça qu'il s'appelle dans Spec Ops. Hop là, donc on recommence. Donc là c'est la version Super Nintendo, mais ouais, le jeu est sorti sur plein de trucs. Il est même sorti, il me semble, il y avait une version Game Boy Advance qui devait être sortie. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, je crois pas qu'elle soit sortie complètement. Ou alors c'était une suite. Alors ça va pas être... Ah oui, d'accord. Bah le v'là, tu vois, il est trouvé là. Hop. Et hop. Ouais, la version Game Boy aussi. Vas-y, Randall, vérifie. Pendant ce temps, moi, je... Hop. Donc en fait, quand on appuie sur le bouton d'action et haut sur la manette, il saute vers l'avant. Ce qui est pas vraiment... Ce qui est pas vraiment... Ah bon, on peut contrôler comme ça aussi. Ce qui est pas vraiment très... Enfin, instinctif. Voilà. Au secours, oui, c'est bon. Voilà. Bah du coup, je vais lui donner son téléporteur, au petit bonhomme. Tiens, mec. Voilà, c'était un proto sur GBA. Donc le jeu est sorti sur Mega Drive, ouais, il est sorti sur tout quoi. Amiga, Atari, je sais pas s'il est sorti sur Amstrad ceci. Merci, vous venez de me sauver la vie. Au revoir.
Mais du coup, il a laissé sa carte d'identité, ce qui est quand même pratique. Du coup, je vais pouvoir ouvrir les portes. Je peux pas l'utiliser, sa carte. Hop. Donc dans le principe, les vieux jeux de Tonton Choutane, c'est du slow walk, hein, c'est pas du speedrun, c'est l'inverse. Hop là. Bon, je vais essayer d'aller vite quand même. Mais dans le principe, si je vais trop vite, je vais mourir. Alors. Là. Ouais. Voilà, donc je veux aller trop vite et puis voilà. Mais du coup, faut que je recommence ou Ah ouais, j'ai toujours le téléporteur. Bon bah on recommence quoi, c'est. Hop là. Tatatin, tatatatin. Donc je retourne. Hop là. Ouais, ok, bon. Là, j'ai pas eu de soucis en marchant sur les trucs, là, mais. Peut-être que mon bouclier. Non. Fait, le truc, c'est qu'il faut pas marcher sur ces trucs-là. Enfin, faut pas courir dedans non plus, d'ailleurs. Il y a un remake aussi qui est sorti mais qui est pas terrible. Oui c'est ça, c'est des portes sur des branches d'arbres, il suffirait de faire le tour. C'est le problème des jeux en 2D en fait, c'est que si tu y réfléchis ça a pas de sens. C'est parce que le mec en fait il pourrait juste faire le tour. Bonjour Negara. Ah non! Oh, l'ascenseur, il est méchant. Alors. Mais tu vois, là, il saute par-dessus, en fait, c'est. Dans Prince of Persia, on voit un mur derrière, on imagine bien qu'il y en a un devant. Mais là, oui, bah ouais, mais là c'est une jungle quoi. Enfin, c'est un arbre, donc il y a aussi des chances que le mec il glisse et il tombe et il se fasse mal. Tu vois. Bah alors. Voilà. T'as vu de la lumière. Mais non, on voit pas qu'on peut faire. Enfin, si, on voit qu'on peut faire le tour de la porte, effectivement, le mec il suffit qu'il. Mais bon. Ah oui, bah oui, mais il faut que je prenne la carte d'identité maintenant aussi, si je m'en vais comme ça. La crise de se faire mal. Il passe son temps à se faire mal. Il passe son temps à mourir aussi. C'est la troisième fois que je meurs là. Enfin, troisième. Non, c'est mon troisième bonhomme là, on va dire. On va faire ça comme ça. Croix. Vous avez entendu cette ambiance de timbré? Hop là. Donc ce coup-ci, ne pas tomber dans le piège de la facilité. On va pas courir. On va marcher. Puis passer par-dessus. Hein? Voilà, comme ça. Soyons. Tiens, je peux passer par là. Il n'y a rien. Ok. Le bruit. Bon, ça va, c'est pas le bruit de la pause de Sonic Boom, mais. Hop là.
Je vais retourner sauvegarder du coup. Poup, poup, poup. Hop, hop, hop. Allez, il a des belles foulées quand même, hein. On sent que le gars a de l'entraînement. Hop là. C'est-à-dire qu'il faut du souffle pour arriver là où il en est, je pense, j'imagine, je suppose. Voilà. Oh là. C'était un beau saut. En extension. Hop là, je pense que ça a marché. Enfin, j'espère que ça a marché. Bon, là, je pourrais passer, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a dans l'écran d'à côté. Un peu la... Un peu la curiosité qui va tuer le chat, mais enfin. Hop. Non. En fait, il y a un bouton qui sert à tout. C'est le awesome button. Ah, ok. Oulala. Non, il y a des méchants, en fait. Mais je pense qu'ils doivent protéger quelque chose. C'est pas possible autrement. Non. Ah non, la carte d'identité sert pas à ça. Bon, c'est une carte magnétique. Il me faut une carte magnétique. Donc, on va descendre pépouze, comme disent les jeunes. Hop là, donc il a tué son copain en fait, mais bon bah j'ai pris un coup. Ah mon dieu, ils ont tué votre copain. Oui bah ça arrive. Alors j'ai 3 de bouclier du coup, mais ça c'est une recharge. Tatatan. Hop, la petite pile du raplouf. Retour à la bagarre. La bagarre. Mais quel con. Bah si ça se trouve, il faut bien utiliser la carte parce que là je pouvais pas passer. Yeah! Ah mais non, c'est pas la même chose. C'est pas le même lecteur. Bon. Si ça se trouve, là je peux. Ouais, là je peux. Bon bah ok, c'était pour plus tard. Bon bah comme ça on saura. Oula. Ok. Il y a un détecteur de trucs. Il y a un détecteur de trucs. Là, mon bouclier, il a pris cher, je pense. Ouais, je peux prendre un coup et puis après, après c'est la mort. Bah les animations ouais sont bien foutues effectivement. Bonjour vieil homme. Pour aller à Washington, tu dois sauter dans ce grand trou. Mais à ta place, j'utiliserai une ceinture anti-jet. Où puis-je en trouver une? Je peux te la vendre, sans crédit. Ok vieil homme.
T'essayes pas de te foutre de ma gueule. Bah, les animations sont, ouais, sont bien foutues. Bah, c'est ce que je disais, c'est du rotoscoping. Et c'est vraiment chouette. Ça a pas vieilli, quoi. Vraiment, c'est le. Allez, on recharge. Quand j'ai dit ok, vieil homme. Ouais. Ça fait blip. Blip ferme d'ailleurs. C'est con, hein. Je sais pas pourquoi il ferme. Bon, probablement que. Oui, du coup, y a rien ici à part ça. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il y a un truc plus loin? Hop. Est-ce que c'est automatique le sou? Oui. Enfin, automatique. C'est un peu. Je vais continuer mes petites roulades pour éviter de. Hop. Si, si, la borne de recharge recharge mon bouclier en fait. C'est pour ça que c'est la pile du ras bidule. Mon bouclier. Energize bidule. Mais ça me dit pas où il faut que j'aille. Et puis surtout, il faut que je trouve 500 crédits. Hein, donc je vais pas trouver 500 crédits comme ça par terre dans la jungle. Hein? Si? Hop. Allez, on continue sauvegarde. Ouais, je vais appeler Sofinko. Ou CTLM plutôt, parce que vu la jungle, tout ça, le petit bonhomme vert, il s'y plaira plus. Alors, bon, bah, du coup, je vais aller par là, mais. Ah, je suis caché. Vous me voyez pas. Vous me voyez. Vous me voyez plus. Enfin, vous me voyez. Vous me voyez plus. Vous me voyez. Vous me voyez plus. Pas mal, hein. En plus, là, j'étais pas en forme. Alors. Merde. Pourquoi il a rangé son flingue, cet abruti? C'est un peu le souci. Hop là. Brrr. En flashback, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont joué mais qui sont pas sortis de la jungle. Donc en fait, ils ont même pas idée qu'il y a d'autres niveaux que la jungle, en fait. Pour beaucoup de gens. Les flashbacks, c'est juste la jungle. Ah ouais, ok, donc faut juste l'éteindre en fait. Je sais pas comment, pourquoi il s'est pas éteint tout à l'heure. Bon, je ne comprends pas. Non, une autre pierre. Ah non, ouais, non, mais c'est ça. Il a bien pris en compte que j'avais sorti mon flingue, mais l'animation est un peu longue. Ah bah si, tiens, je trouve 100 crédits par terre dans la jungle. Bah bravo. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, n'empêche. N'empêche que j'ai trouvé 100 crédits par terre dans la jungle, quoi.
Et une clé. Là, faut la trouver, hein. Elle est transparente par terre, la clé. Je sais pas comment ils se démerdent, les mecs. Ah, j'ai tombé. Bonjour, Majimo BZH. Mais qui se crée comme monde, ici? C'est pas une heure pour arriver pour un pierre. Bah, si. Ah, ah ouais, mais tu vois, je suis déstabilisé. Alors les ennemis, une balle ça suffit, mais moi, 4 balles ça suffit. Même si cette blague ne t'était pas destinée. En effet. Mais c'était pas... Enfin, c'est pas qu'elle t'était pas destinée, c'est que voilà. T'oublie. Mais abonnez-vous à ma chaîne. Le mec, je fais ma grosse pute en fait. Ah, 500 crédits par terre dans la jungle. Bon bah si en fait, c'est pas des ennemis à 2 balles. Effectivement, c'est des ennemis à 1 balle. Si vous vous abonnez à ma chaîne, il se passe un truc. Je vous promets. Oh, ça va, je suis pas si seul dans le noir que ça, et puis en plus, oh là. Par contre, j'aurais pas dû... Oui. Oh bah voilà, je suis passé. Alors, bah du coup j'ai les 500 crédits, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, donc faut bien sauter par-dessus ce truc sinon. Sinon game over. Et bah non c'est bon, bah du coup j'ai les 500 crédits, je peux aller acheter la ceinture 0G. La chance au jeu, les maladies sont la richesse vient à toi. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais les résultats peuvent varier, hein, bien sûr. Une petite astérix. Non, oui, bah voilà, elle est marrante l'animation quand on s'abonne. Oui, voilà. C'est la troisième fois qu'on la voit. Parce qu'il y a des gens, ils s'abonnent pendant... Enfin, pas pendant le stream. Alors, c'est... ça fait plaisir aussi de voir son compteur qui monte, mais... Comment je fais trop ma star, quoi. Alors, donc, il y a une serrure, donc bah, j'imagine qu'il faut mettre la clé. J'enfonce la clé dans la serrure. Sauf qu'on peut passer par ailleurs, donc c'est un peu un item inutile. Mais, pour autant, ça peut toujours faire plaisir. J'adore la... Ouais, l'animation est vraiment chouette. Hein. Non mais c'est pas grave, Randall, si tu t'es abonné hors stream. C'est pas... Franchement... c'est même... Alors la roulade, c'est comme ça. Hein. Hop là, on peut même faire des roulades en courant, dis donc. Bonjour vieil homme. Tu veux des sous, j'en ai. 650 même pour ta gueule. Bon voyage, jeune homme. Et donc maintenant, bah, l'astuce, c'est qu'il faut surtout pas oublier de s'équiper de la... Enfin, je crois. Normalement, ouais, même si on l'a... Yahoo! Mais c'est pas un SDF, c'est un papy. Et hop là, ceinture anti-G.